Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit blabla point de croix. Ça faisait très très longtemps que j'en avais pas tourné. Et puis là, je me suis dit pourquoi pas se retrouver sur cette petite toile Ti que je vous avais fait voir il y a quelques temps en unboxing. On l'avait d'ailleurs commencé ensemble lors d'une vidéo où je devais répondre à des questions concernant le point de croix. Je l'ai un petit peu avancé, c'est-à-dire que j'ai fait. Alors, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça quand je fais un blabla point de croix. Je ne sais pas si ça va être forcément agréable. Mais comme vous le savez, je fais ça par rapport à mon micro qui déconne. Dites-moi si vous m'avez bien entendu pendant la vidéo. Mais de toute manière, même si vous m'entendez bien, le son est comme un peu écrasé. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, hein, je vais bientôt recevoir mes petits micros. Alors, du coup, j'ai brodé pratiquement toute la tasse. Il me reste quelques détails à faire pour la rose de l'intérieur. Voilà, j'ai fait les contours du sachet de thé. J'ai fait les petites feuilles. Alors, je galère un peu. J'ai fait les petites feuilles ici en verte autour. Et j'ai fait quelques détails dans les fleurs ici au milieu. J'en suis pas encore arrivée à la moitié, mais en fait, j'ai fait pas mal de confettis ici à l'intérieur de la rose. Je fais les confettis en premier cette fois-ci, et comme ça, après, il me restera les plus grandes zones à faire, mais du coup, ça sera plus rapide. Donc, c'est une toile que je sors depuis 3 jours, à peu près 1 heure le soir. Et ouais, ça fait, on va dire que ça fait 3 jours que je brode 1 heure le soir et pour faire cette avancée-là. Et du coup, là, j'aimerais bien un petit peu accélérer la cadence pour la finir rapidement. Donc, la prochaine fois qu'on se retrouvera sur la toile, bah, elle sera finie et puis je vous ferai voir le résultat. Alors, par quoi je vais commencer? Tuk, 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 tuk. Allez, je vais partir sur le bleu clair. Voilà, le bleu clair, c'est à l'intérieur de la rose, au milieu de la tasse. Et c'est toutes les pétales de fleurs qui sont ici. Donc, pour rappel, c'est un petit kit qui vient de chez Joy Sunday. Alors, je ne sais plus chez quel partenaire je l'ai eu. Mais je vous remettrai, vous inquiétez pas, le lien de cette toile dans la description. Alors, kit Joy Sunday, et si vous voulez voir un petit peu le modèle, c'est celui-ci. On a un petit peu de point arrière à faire. Et je le trouve très sympa. Voilà. Donc j'avais dit 21 couleurs. Et là, je veux faire le bleu clair qui correspond au 16. C'est écrit en petit. Hop. J'essaye d'attraper mon aiguille. Alors, c'est parti, le 16, on est sur un beau rose, assez fuchsia. J'aime bien. Alors. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour des petites vidéos blabla. Mais comme je vous ai dit, je vais reprendre la cadence sur la chaîne, bah, à partir de maintenant, hein, à partir du mois de septembre, tout va être un petit peu plus calme. Et puis Halloween arrive, Noël arrive. Vous savez que j'adore ces périodes-là. Hop là. Et c'est vrai que juillet-août, même si je ne suis pas partie en vacances cette année, bah, c'est toujours un peu chargé parce que bah, parce qu'on en profite pour faire les sorties. Je suis allée pas mal dans ma famille, donc voilà. Alors. Je démarre pour pas me tromper. Je vais démarrer ici. Ah voilà. Alors attendez. Donc comme j'ai dit, c'est une toile que je prends à peu près 1 heure tous les soirs depuis 2-3 jours. Alors je vais y arriver. Et du coup, quand je la prends, on est aux environs de 20 heures et le soleil se couche. Et du coup, comme c'est du 14 CT, c'est vraiment là que je me rends compte que le 14 CT, c'est plus dur à broder le soir. Hein. Alors, faut que je démarre et après ça va être bon.
Du coup, vous voyez pas réellement ce que je fais par au-dessus, mais bon. Je me suis dit, c'est soit je fais ça en attendant de recevoir mes micros, ou soit je ne filme plus du tout. Donc, voilà, donc j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. J'ai vu des vidéos il n'y a pas longtemps sur un réseau social TikTok, c'est très connu. Et je voyais un petit reportage sur les enfants qui rentrent en toute petite section de maternelle, hein, les enfants de 3 ans, 2 ans et demi ou 3 ans. Et je voyais les enfants qui hurlaient, qui pleuraient. Ça doit être quand même une étape qui est un peu compliquée, hein, que ce soit pour les enfants, pour les parents, pour les professeurs, les pauvres. Mais après, tout se passe bien et les enfants sont contents d'aller à l'école, quoi. Mais j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mon Dieu, mais dans un an, c'est mon tour. Ali, il aura 3 ans le 19 août prochain. Donc en fait, ça tombe bien parce que 10 jours après, ce sera la rentrée. Alors en ce moment, qu'est-ce que je fais? J'ai quelques petites choses à vous dire, hein. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. En ce moment, en point de croix, je suis en train de broder principalement une toile que je fais en quatuor avec comment dire, je vais y arriver, avec une personne de ma famille, Déborah, dont je vous ai déjà parlé. À la base, on était en duo et j'ai une gentille femme qui s'est rajoutée au duo. Elle s'appelle Brigitte. Donc du coup, on a fait cette toile en trio, on va dire. Et ensuite, j'ai une quatrième gentille femme qui s'appelle Claude, qui s'est rajoutée aussi à notre trio qui est devenu un quatuor. Voilà, du coup, on fait cette toile. C'est une 40 par 50, il me semble, ou 30 par 40, je sais plus. Je crois que c'est 40 par 50. On fait cette toile toutes les quatre en commun. D'ailleurs, Claude a ouvert récemment une chaîne YouTube. Donc, je vais vous donner le nom et je vais vous l'afficher dans la description. Je crois que c'est Claudette. Alors, je sais plus en fait. Claudette fait du demon painting ou bien Claudette et le demon painting. Quelque chose du genre. Mais de toute façon, je vous mettrai dans la description parce qu'il me semble que du coup, elle aussi va faire une petite vidéo concernant ce quatuor. Donc, tout ça pour vous dire que j'avance cette toile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a une petite fusée qui s'appelle Brigitte. Elle a avancé la toile de son côté. En fait, le but, c'était que chacun avance la toile de son côté et qu'ensuite, on démarre des petits défis tous les quatre. Et quand on a envoyé un message à Brigitte, elle était déjà à 58, je crois, ou 56. Je crois que c'est 58 cases. Donc, vous vous imaginez, 58 cases. Moi, j'en avais fait 13. Et on s'est dit que pour commencer les défis, le mieux c'était qu'on soit toutes les quatre au même niveau. Donc là, j'en suis à 51 cases. J'ai carburé les derniers jours. Et puis, il y a eu beaucoup de jours où je ne pouvais pas broder. Donc, on a pris du retard. Mais j'en suis à 51 cases. Donc, en gros, dans cette case, je pourrais vous filmer la première vidéo. Alors, j'ai fini pour la petite tasse. Je vais partir en haut. Je vais fermer mon fil. Ce petit fil me stresse. Alors, je sais pas ce que j'ai fichu, mais j'ai perdu tous mes ciseaux de broderie. Alors, il y en a un, je sais, je l'ai donné. Je l'ai donné à la cousine de mon chéri parce que on voulait lui. Alors, j'arrive pas à piquer. Elle a démarré le point de croix, donc on a voulu lui donner un petit peu de matériel. Donc, je lui ai donné une paire de ciseaux, mais j'avais au moins quatre paires. Et je m'en retrouve avec plus qu'une, donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Et celle-ci, elle coupe juste sur le bout. Elle coupe pas bien ici. Mais bon, elle fonctionne. Il faut pas que je la perde. Donc je vais partir juste ici. Ouais. Alors ça, ce que je fais, ça sert à rien, c'est juste pour me faire un repère, pour savoir où je pique mon fil derrière. Voilà. Bah, pour être le plus proche possible du point où je commence en fait.
Alors, vous voyez, avant, je passais pour le 14-CT, hein, pour ouvrir ou pour fermer un fil, je passais seulement dans 2 à 3 points. Et bien maintenant, j'en suis venue à passer dans 4 ou 5 points parce que des fois, ça a tendance à. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit fil qui part. Et comme le 14-CT, les points sont plus petits, bah, je préfère faire comme ça. J'use un petit peu plus de fil, mais bon. Hop. Et c'est parti. Du coup, voilà ce que je fais en point de croix. J'ai fait principalement cette toile en quatuor. Et puis, là, depuis quelques jours, je brode sur celle-ci. Et j'attends ma fameuse toile d'Halloween. Là, je suis un petit peu dégoûtée. C'est une toile que je dois faire en. Alors, c'est Sarah et le Diamond Painting qui a lancé ce défi, c'est-à-dire une toile d'Halloween avec 30 cases à broder. Et elle a lancé le défi sur sa chaîne YouTube et sur leur groupe de point de croix, à Sarah et à Sophie. Et donc, du coup, je voulais participer à ce défi. J'ai commandé la toile. J'étais censée faire tous les contours au mois d'août pour pouvoir faire en septembre et en octobre une case toutes les 2 jours, puisqu'il y a, enfin, pas une case, mais un schéma tous les 2 jours, puisqu'il y a 31 schémas, on va dire, à broder. Mais je ne l'ai toujours pas reçu. Donc du coup, j'espère la recevoir très prochainement. Je serai un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, j'essaierai de carburer. Mais voilà quoi, si je la reçois le 15 août, le 15 octobre, c'est tout, hein, je la commence plus. Et c'est dommage parce que j'ai super envie de faire ce défi, mais bon, je pense qu'elle devrait pas tarder. Je l'ai commandée sur VIP Cross Stitch. Et ça doit bien faire 15 jours que j'attends, je pense, à peu près. Donc voilà, ça sera mon gros projet, on va dire, de septembre-octobre, plus ma toile en quatuor, et puis des petits projets à droite à gauche comme celui-ci. Celui-ci, j'aimerais bien le finir rapidement. L'idéal, ça serait que dans une petite semaine, une semaine, on va dire, il soit fini. Mais je pense qu'en faisant 1 à 2 heures tous les soirs, dans une semaine, il sera fini. Alors, faut pas que je me trompe. Attendez. Ah, parce qu'entre le bleu clair et le blanc de la toile, c'est un bleu très clair, on aurait vite tendance à confondre. Je fais pas mal de coloriage, enfin pas mal. Ça fait quelques jours, on va dire, que je fais du coloriage mystère. J'en ai déjà fini un, je suis sur un deuxième. Et alors, excusez-moi pour la petite coupure. Alors, j'étais en train de vous dire que. Oui, en plus du point de croix, en ce moment, je faisais surtout du coloriage mystère. J'ai fait un petit peu de peinture avec le Stitch, là, que je vous ai fait voir en vidéo. Et le coloriage mystère, j'adore. Je me suis créé un petit carnet que j'ai diamanté en Diamond Painting. Et puis dedans, j'ai fait un tableau où j'écris tous mes duos, ou bien les défis, les duos, tous les coloriages, on va dire, que je dois faire. Donc j'écris la date de début, la date de fin, avec qui je le fais. Si ça vient d'un groupe, j'écris le groupe. Et donc du coup là, je m'éclate à faire ça. Donc j'ai encore un colo à faire avec une de mes abonnées. C'est le deuxième colo que je fais avec elle. Elle s'appelle Angélique. Et on a 5 colos à faire ensemble. Elle colorie au crayon de couleur et moi, je colorie au feutre. Donc du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo quand on aura fini les 5 colos pour vous montrer un petit peu la différence sur un même colo entre du feutre et du crayon de couleur. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pas mal de colos mystères à faire parce que j'ai. Alors, il y a un groupe de coloriage qui a été créé par Sarah et Sophie. Ça s'appelle Univers ou l'univers avec un L apostrophe. Je crois que c'est l'univers du coloriage. Je vous le mettrai dans la description. Groupe super sympa, franchement. Et ils réalisent plein de petits défis. Des petits défis. Alors, il y a le. Il y a le défi du mois, il y a le. Alors que je me trompe pas. Hein. Il y a un défi tous les mois avec deux thèmes. Ouais, c'est ça. Hein.
avec deux thèmes. Donc là, ce mois-ci, par exemple, on a le thème orange. Donc il faut un coloriage avec le plus d'orange possible. Et le thème livre. Donc j'ai trouvé deux colos, c'est bon. Un colo avec du orange. J'ai pris Nemo, je crois. Non, Rebelle, Rebelle. Et un colo avec un livre. Dans le tome princesse, c'est Blanche-Neige qui tient un livre. Donc voilà, ça, tous les mois, il y a des défis comme ça. Ensuite, toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est quoi? Je sais plus. Je sais que là, cette semaine, ça doit être un truc du genre, ouais, colorier la page 15 du livre de votre choix. Ah, moi, j'adore, j'aime beaucoup. Et du coup, ça s'appelle l'univers du coloriage. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est super sympa. Donc, du coup, ça me rajoute. Ce qui est bien, c'est que ça me rajoute des colos à faire. Donc, je les note dans mon petit tableau. Et ça me permet, en fonction des thèmes, en fonction d'aller un petit peu dans tous les livres. Voilà. Et ça permet aussi de faire des colos qu'on n'aurait pas forcément fait. Enfin, moi, je vais dans l'ordre des livres. Mais bon, ça permet, du coup, de ne pas aller dans l'ordre des livres et de faire des colos un peu qu'on n'aurait pas fait tout de suite ou qu'on aurait fait plus tard. Enfin, voilà. J'allais dire qu'on n'aurait pas fait tout de suite ou qu'on aurait fait plus tard. Ça veut dire la même chose. Faut pas se moquer. Donc, super sympa ce petit groupe. Et ça rajoute un petit peu de piment à mes coloriages mystères, on va dire. Je suis en haut, hein. Là, vous voyez, je suis en train de broder la fleur à l'intérieur. Et j'ai brodé le rose foncé à l'intérieur de la rose. Donc la rose, elle commence à prendre forme. Il reste plus que du vert foncé à mettre dans les pétales. Mais après, on a du point arrière dans la rose. Donc du coup, elle va être détaillée en fait. Alors, je vous ai parlé de ce que je faisais en ce moment. Je vous ai parlé. Je voulais vous parler d'un autre truc. Ah oui, ça me revient. J'aurais préféré que ça ne me revienne pas. Écoutez, on va y aller directement. J'ai passé une deuxième fois mon permis et je ne l'ai pas. Voilà. C'est dit, c'est fait. Voilà, donc ces derniers temps, j'étais très stressée parce que du coup, j'ai eu la date de mon permis. J'ai dit la date à personne, mis à part mon mari, parce que forcément, il fallait bien que quelqu'un garde mon fils. J'ai dit la date à personne parce qu'il paraît que ça porte malheur. Bon. Je me suis dit, on n'est plus à ça près, autant suivre cette règle. Et puis au pire des cas, ça sert à rien, quoi, au pire des cas. Et j'ai fait la totale, hein. J'ai dit ma date. Alors, je n'ai dit ma date à personne. Et avant de partir, le truc que j'ai toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils sont cons les gens qui font ça, excusez-moi des mots, hein. Mais du coup, je suis con parce que je l'ai fait. J'ai mis du persil que j'ai été chercher sur mon balcon 1 heure avant de conduire, du persil et du sel dans mes chaussures. Voilà, j'étais tellement désespérée et stressée de me dire, il faut que t'aies ton permis, que j'ai tout tenté, hein. Le persil, le sel. Le petit collier porte-bonheur, me regarder, alors ça c'est du Mallory tout craché, hein. Me regarder dans un miroir avant de partir au permis, me regarder du coup droit dans les yeux et me dire du coup à moi-même dans le miroir, bon, Mallory, aujourd'hui tu passes ton permis, tu peux le faire, tu peux y arriver, j'ai confiance en toi. Allez, Mallory, t'es pas une merde, tu vas avoir ton permis. j'ai pas eu mon permis, voilà. Donc, écoutez, ce sera pour la troisième fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis. Alors, c'est un petit peu redescendu, hein, parce que ça fait quelques jours que je le sais. Mais j'ai été très, très, très déçue. Hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que. Donc, du coup, je suis arrivée. Hein, je passais mon permis un jeudi à 10h30. Je suis arrivée bien stressée. J'ai limite fait une crise d'angoisse, moi qui n'ai jamais fait de crise d'angoisse de ma vie. J'ai limite fait une crise d'angoisse juste avant de prendre le bus, tellement j'avais la pression, quoi. Et j'ai même appelé Isa, qui. Isa ne savait pas du coup que je passais mon permis parce que comme j'ai dit, je l'avais dit à personne. Et je l'ai appelé juste avant, limite en pleurs, en lui disant, écoute, Isa, je te l'avais pas dit, mais je passe mon permis dans 1 heure et.
Je suis limite en pleine crise d'angoisse. Aide-moi, quoi. Du coup, on a un petit peu parlé. Elle m'a conseillé de faire des exercices de respiration. Et puis après, bah, c'est passé. Donc, je suis arrivée là-bas. J'avais quelqu'un juste avant moi. J'ai attendu à peu près 20 minutes. Et ensuite, c'était mon tour. Et en fait, on a une femme et un homme qui font passer les permis. Donc, une inspectrice et un inspecteur. L'inspectrice est réputée pour être plutôt cool, même si on fait une faute, voilà, on n'a pas notre permis. Hein. C'est avec elle, j'ai passé mon permis la première fois, là où je ne l'ai pas eu. Et l'inspecteur, il est réputé pour être très strict, pas très... Enfin, c'est pas qu'il n'est pas agréable, c'est que il est réputé pour être strict et pour ne pas laisser passer les choses strictes, quoi. Donc du coup déjà j'ai vu que c'était ce fameux inspecteur qui arrivait, donc petite boule de stress en plus. Après je me suis dit, Malo, de toute façon, si tu fais une erreur, que ce soit avec elle ou avec lui, eh ben tu seras éliminée, donc c'est à toi de bien conduire, de pas stresser, et puis voilà. 25 minutes, hein, le permis à peu près, pendant 20 minutes, j'ai fait une conduite quasi exemplaire. Pas d'erreur éliminatoire, pas d'erreur tout court. La seule chose qu'il m'a dit à un moment donné, c'est « Mademoiselle, il faut que vous contrôliez un petit peu plus vos rétroviseurs intérieurs quand vous freinez. » Sauf que le souci, c'est que ça m'a un petit peu énervée à l'intérieur, hein, j'ai rien dit, parce qu'en fait, je les contrôlais, mes rétroviseurs intérieurs. Sauf qu'au moment où il me regardait pour voir si j'avais contrôlé mes rétros, eh ben, je repositionnais mes yeux sur la route parce que je venais de faire le contrôle, quoi. Un contrôle de rétro, ça dure une seconde, quoi. Tu restes pas 10 secondes à regarder le rétro. Et c'est après qu'on m'a dit, quand tu passes ton permis, surtout, t'insistes bien sur tes contrôles de rétro. Si tu regardes à droite, tu tournes bien ta tête à droite, inversement, enfin, voilà. Mais bon, en soi, c'était pas une erreur éliminatoire. Surtout que c'était la seule reproche qu'il avait à me faire, quoi. Après, il y a un moment donné, on arrive à un stop. Enfin, non, pas un stop. Non, non, pas un stop, je dis des conneries. On arrive sur une petite route et il y avait un monsieur qui était en plein sur la route. Il était arrêté et il était en train de discuter, donc il bloquait la circulation. Et moi, je me suis arrêtée derrière ce véhicule. Et l'inspecteur, il m'a dit, Mademoiselle, j'ai pas envie de taper la discute avec lui, donc vous doublez, quoi. Mais c'est tout, j'ai fait mon contrôle d'angle mort, j'ai mis mon clignotant, j'ai doublé, j'ai fait tout sans faire d'erreur. Donc jusqu'à là, aucune erreur qui aurait pu me coûter mon permis, on va dire. Je fais la manœuvre, donc je fais un rangement en bataille, donc petite marche arrière, hein. J'avais mes repères dans ma tête, je me repère bien avec le phare, parfait, j'étais garée nickel, tout va bien. Et là, je me dis, punaise, ça fait 20 minutes qu'on conduit, on est juste à côté du point de départ, il vient de me faire faire ma manœuvre, c'est bon, on va rentrer. Donc là, je dis, cool, si je reste comme ça, j'ai mon permis. Donc, il nous restait 3 minutes. Et là, je passe à côté d'une priorité. Et il n'y avait aucun véhicule qui arrivait. Mais moi, je n'ai pas vu la priorité. Je vais pas mentir. Je ne l'ai pas vue. Toutes celles du départ, je les ai bien vues. Donc, à chaque fois que j'arrivais à une priorité, je ralentissais, je faisais mes contrôles et je réaccélérais. Et celle-ci, je ne l'ai pas vue. Comme il n'y avait pas de véhicule qui arrivait, l'inspecteur, il n'a pas repris les pédales, il n'a pas freiné, mais il m'a quand même dit, Mademoiselle, vous auriez dû ralentir, il y avait une priorité juste ici. Donc voilà. Et ensuite, bah, fin du permis, parce que justement, c'était la fin et on arrivait pour se garer, quoi. Donc ma monitrice et moi, on a été dans le doute pendant tout le temps où il fallait attendre pour les résultats, parce qu'elle m'a bien dit, écoute, Mallory, t'as super bien conduit. Il n'a pas repris tes pédales, mais c'est possible que cette priorité te joue ton permis. Et effectivement, ça m'a joué mon permis. Voilà. Rien à dire de plus. Donc j'étais bien dégoûtée. Mais je baisse pas les bras. Hein. Vu tout l'argent que j'ai claqué dans mon permis depuis maintenant 2 ans. Le code, ensuite les leçons de conduite, hein, j'en suis à plus de 40 heures de leçons de conduite quand même. Faut qu'on le dise. Mais je me demande même si on n'est pas aux 50 heures. Faudrait que je calcule.
Donc, bah voilà, là, ça y est, c'est tout. Je sais conduire, hein. Donc, enfin, je sais conduire. J'ai quand même grillé une priorité. Mais je pense que c'est le stress parce que les 3 dernières heures que j'ai eues avec ma monitrice, eh ben, je conduisais très bien. Donc, je pense que c'est le stress. Et ma monitrice m'a dit, t'es prête, tu reprends 1 ou 2 heures avant l'examen. Et c'est tout, quoi. Ça sert à rien de reprendre 5, 6, 7, 8 heures. Donc, j'attends une prochaine date de permis. Elle va essayer de me trouver une date rapidement, mais je pense que ça sera d'ici 1 ou 2 mois. La première fois, j'ai attendu 2 mois et demi. J'espère que là, je vais attendre moins. Enfin, voilà. Hop, j'ai bientôt fini mon fil. Je vais faire cette dernière petite croix. Hop, hop, et hop. Voilà, donc là on est quel jour? On est samedi. Bon, en fait, je vous tourne la vidéo le jour où je vous la publie. Normalement, si tout va bien, je vous la publie aujourd'hui. Mon fils y fait dodo. On est à peu près 13h30, 14h. Et ensuite, j'ai mon papa et ma belle-maman qui viennent bah, voir Ali, me voir, boire un café. J'en étais bleu clair, 16. Alors. J'aime beaucoup faire ce genre de petites toiles à côté d'un grand projet. Un grand projet pour moi, c'est un grand projet, quoi. 30 sur 40. Ce que je veux dire, c'est que 30 sur 40 cm, déjà, c'est un grand projet parce que en point de croix, quand c'est du plein, il suffit qu'il y ait des confettis et 30 sur 40 cm, il faut déjà du temps pour le faire. En tout cas, j'aime bien faire des petits projets comme ça, vraiment sur des petites toiles que je peux retourner dans tous les sens, vous voyez. C'est génial, je brode ça sans tambour, sans cadre, même s'il y a des confettis. Et je m'éclate. Mais là, il faudrait que je pense à m'acheter une petite lampe. Alors, une lampe pour mettre quand je suis au canapé ou même sur une table comme ça. Et l'idéal, c'est sans prise, ouais. Sans prise, parce que sinon il faudrait toujours déplacer la prise. Parce que là, je me dis, quand je fais du 14 CT comme ça, quand même, il suffit qu'il fasse sombre. En plus, l'hiver arrive. Vous allez me taper dessus. Mais c'est vrai, l'automne arrive et ensuite l'hiver arrive. Les jours se raccourcissent. Il suffit qu'il fasse un temps pluvieux dehors. Et du coup, qu'il fasse sombre, on va dire, quoi. Et tout ça pour dire que c'est vrai qu'une lumière. En automne, en hiver, ça serait pas de trop. Que ce soit pour les colos, bah le diamond painting encore, j'utilise la tablette lumineuse, donc ça va. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de DP d'ailleurs. C'est pareil, j'ai envie d'en faire. Mais souvent, alors dans une journée, je me limite à 2 activités maximum, parce que sinon après ça fait je passe 30 minutes. Si je fais 5 activités, je vais passer 20 minutes par activité et ça sert à rien. Donc pour pouvoir passer au moins 1 heure sur l'activité, 1 heure, 1 heure et demie, je fais 2 activités maximum par jour. En ce moment, c'est point de croix colo. Donc je fais 2 heures de point de croix quand mon fils y dort. Ensuite, je fais 1 heure, 1 heure et demie de colo. Et après le soir, je refais 1 heure, 1 heure et demie de point de croix. Donc c'est quand même des belles journées où j'arrive bien à travailler. Ça n'a pas toujours été le cas ces derniers temps. Alors je ne sais pas combien de temps ça fait parce que là je vois 16 minutes et j'avais déjà fait une petite première vidéo, comme il y a eu la coupure.
Mais je veux pas faire une trop grosse vidéo non plus. Et puis, c'était vraiment là, vraiment pour dire de papoter. Parce que vous, au final, vous voyez pas bien ce que je fais. On n'a pas parlé de technique de point de croix, rien du tout. J'avais vraiment envie de vous parler, les abonnés, mes abonnés, ça m'a manqué. C'est vrai. Parce que, bon, bien sûr, il y avait encore quelques unboxings. Il y avait encore des petites vidéos entre les unboxings, mais beaucoup plus rares. C'est vrai que avant les grandes vacances de juillet-août, je faisais régulièrement des blabla point de croix. Au moins une fois toutes les 2 semaines. Bah déjà avec le défi avec Isa. Mais là, ouais, ça faisait un petit bout de temps. Alors le souci, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes de micro aussi qui m'ont bloqué. Là, ça se trouve, je suis en train de vous parler et c'est la catastrophe. J'espère au moins que vous m'entendez, même si le son, on va dire la qualité du son n'est pas bonne. Vous savez, comme un son, je ne saurais pas comment décrire. Un son, un pas beau son. Mais bon, si au moins vous m'entendez, parce que bah sinon il aurait fallu encore. Je reçois mon micro, il me semble, environ dans une semaine ou une semaine et demie. Parce que quand je l'ai commandé, il fallait que j'attende 2 semaines. Donc d'ici ce temps-là, sinon je vous faisais pas de vidéo pendant 2 semaines, quoi. Donc je pense que je vais pas tarder à m'arrêter là. Je vais finir cette fleur ici et puis on va s'arrêter là. Moi, après cette vidéo, je vais aller faire le montage au canapé avant que mes parents arrivent. Et pendant ce temps-là, parce que quand on fait un montage, il faut que la vidéo d'abord charge sur le logiciel de montage. Une fois qu'elle est enregistrée dans la pellicule, il faut que la vidéo charge sur YouTube. Donc, je vais faire mon petit montage. Moi, quand je dis montage, au final, sur ce genre de vidéo, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Quand je dis montage, c'est quand je dois rajouter des prix, rajouter des images, rajouter des phrases. Mais rien de bien méchant, quoi. Mais l'air de rien, ça prend quand même du temps parce que faire le montage de la vidéo. Ensuite, il faut qu'elle charge. Donc ça, faut compter environ 5-10 minutes. Une fois qu'elle est chargée depuis le logiciel de montage, il faut faire la miniature. Donc la miniature, vous savez, c'est l'image que vous voyez juste avant de cliquer sur la vidéo. Donc c'est une petite image qu'on fait de présentation. Donc ça prend, allez, tout dépend de l'inspiration. Des fois, je peux passer 5 minutes, des fois, je peux passer un quart d'heure. Parce que des fois, je fais des trucs moches et je me dis non, ça va pas. Et puis ensuite, il faut mettre la vidéo sur YouTube, marquer le titre. La description, le plus long, bah, c'est d'aller chercher tous les liens. Mais là, j'ai qu'un lien à vous mettre, donc ça va. Et puis après, il faut charger la vidéo sur YouTube. Donc là, il n'y a rien à faire à part attendre. Mais en fonction de la connexion Internet, ça peut vite monter à 1 heure parfois. Bon, c'est rare hein, pour moi. Souvent, je mets 20 minutes. Mais quand je vais à la campagne chez mes grands-parents, j'ai déjà essayé de vous publier une vidéo. Je mets 3 heures à vous la publier sans exagérer. Elle est super belle cette fleur parce qu'elle est bien rose pétant. Alors. Et honte à moi, j'ai ma petite fleur du mois de. Je sais même plus c'est quel mois. Juillet ou juin? Juin, je crois. Ouais. J'ai ma fleur du mois de juin que j'ai toujours pas finie. Ah, d'ailleurs, je vais vous faire voir l'avancée. Attendez, j'arrive. Hop! Me voilà, me voilà. Hop! Alors. Elle est quasiment finie, hein. Regardez.
J'ai fait toutes les fleurs, enfin toutes les pétales des fleurs, une partie des feuilles vertes. Voilà, donc il me reste des détails dans les feuilles vertes, les tiges et le contour. Je ne sais pas s'il y a du point arrière sur cette toile. Mais oui, elle est quasi fin. J'en suis aux trois quarts, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des petits projets, je vais finir cette toile-ci. Je vais finir la fleur du mois de juin. Et ensuite seulement, je remettrai un petit projet dans mes encours. Parce que je ne peux pas rester sans encours de petits projets quand même. Je me calme hein, sur le fait de démarrer des nouveaux projets. Je me suis calmée quand même parce qu'il y a un moment donné où, on va dire, tous les trois partenariats, je démarrais une toile. Sauf que bah, ça va très vite. Ça fait qu'au final, je démarrais trois toiles dans le mois. Mais quand j'ai compté mes encours de Pointe-Croix et que j'ai vu que j'en étais à 10 à peu près, une dizaine, je me suis dit, on va peut-être se calmer. Donc, j'essaye quand même soit de bien, bien, bien avancer sur une grande toile pour en démarrer une autre, ou soit carrément l'idéal de l'avoir fini. Mais c'est vrai que le point de croix reste l'activité sur laquelle je me dirige le plus souvent, parce que déjà le point de croix c'est long, donc si j'en fais une fois, 1 heure tous les 3 jours, bah, c'est compliqué quand même pour avancer. Et surtout parce que j'adore le point de croix et qu'on peut se mettre au canapé et que c'est le kiff, quoi. Et des fois, j'ai très envie de faire du diamond painting, mais vraiment beaucoup envie. Mais rien que pour le fait qu'il faut se mettre sur une table. Et en plus, ma table, elle est pas bien pour faire du DP parce que je ne suis pas installée correctement, en fait. Donc, des fois, comment dire, je finis par faire du point de croix pour le confort du canapé. Voilà, je vais m'arrêter là. Bah écoutez, moi je vais vous laisser ici. Voilà ce qu'on a fait ensemble. Donc on a fait tout le rose. Alors, pas le plus foncé, mais le moyennement foncé, on va dire. Dans la rose de la tasse et tout le rose que vous voyez autour des pétales. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous referai une petite vidéo. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi je marque quoi quand c'est comme ça? Bah, produit fini ou article fini ou toile finie avec une petite croix verte comme ça. Mais en tout cas, je vous ferai une petite vidéo prochainement juste pour vous faire voir du coup le résultat de cette petite toile. Soit on la lavera ensemble pour vous faire voir comment on fait, même s'il existe déjà des tutos, je vous ferai le mien. Ou soit je vous retrouverai où elle sera déjà lavée et je vous ferai voir le résultat final. Bah écoutez, moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo. Je m'excuse par avance pour le son. Dites-moi quand même si ça a été relativement correct ou si ça a été la grosse cata. Parce que si ça a été la grosse cata, j'attendrai avant de vous filmer le point de croix quatuor. J'attendrai d'avoir reçu mes micros. Voilà. Et bah écoutez, moi, je vous souhaite une super belle journée, un très beau week-end. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!